Salut les amis, c'est Alex. Aujourd'hui, je retourne dans cette maison. J'étais allé voir si le squatter est parti. On m'avait dit qu'il part de temps en temps. Donc j'ai été un jour de semaine. Comme ça, je vais mieux vous montrer la maison rapidement. Voilà, c'est une des maisons que je vous ai fait en vidéo, mais assez rapide parce que j'ai pas pu filmer comme je pouvais parce qu'il y avait quelqu'un dedans. Et là, je terrifie, il n'y a peur de personne. L'endroit où j'ai vu qu'il dormait. Donc c'est parti, je vais vous faire visiter mieux le lieu. Voilà. C'est un peu en bordel. Ça va être un peu compliqué, mais on va voir. Allez, je vous dis à toutes pour les images. C'est parti les amis. On va pas tarder trop longtemps. On va profiter pendant que c'est l'après-midi pour aller le visiter. Allez. Oh le bordel. Alors, j'ai carrément la pièce que j'ai pas réussi à vous montrer la dernière fois. Ouais, et encore le poste radio. Il y avait le canapé juste là. Regardez-moi, tout était squatté. Il y a plus de choses qu'avant, alors ils viennent squatter. Mais là, j'ai eu l'occasion de voir s'il y a quelqu'un. Mais là, il n'y a personne, il a l'air d'être parti, tant mieux. Je vais profiter pendant qu'il n'est pas là. Voilà. C'est encore la chaise là. La petite télé qui fait plaisir. Oh, c'est moderne ça. La petite. Il reste la poubelle, les trucs qui restaient ici. Les vieux. Il restait des choses. Pour ça, ça me fait chier de ne pas pouvoir revenir. J'ai pas réussi à vous montrer plus l'endroit à cause des squatters. Ça m'énerve. Du coup, j'ai pas réussi à l'explorer plus dans le détail. Il reste des. Peut-être les squatters ou alors c'est des jeux qui s'est venu ou c'est d'origine, je pense. Ouais, c'est possible. Il reste le portefeuille. Je sais pas si c'est ça, squatter. C'est encore là. Waouh, regardez ce qui reste. Waouh, il reste plein de trucs à l'intérieur. Regardez l'appareil à photo. Waouh, il reste plein de choses à l'intérieur. Il reste des feutres et tout. Il y a un téléphone. C'est ouf. Bon, c'est peut-être. Ça doit être, de base, ça doit être ici. Voilà. Le vieux poste radio là. Oh, c'est cool. On peut pas les ouvrir. Compliqué. Ah, il reste des papiers à l'intérieur. Waouh. Il reste de la vaisselle. Quelques bricoles. On peut pas les ouvrir. On peut pas tout ouvrir malheureusement. Ça a l'air compliqué à ouvrir. Ah, je suis content de pouvoir l'ouvrir. C'est un truc de malade, l'endroit. Le vieux radiateur. Regardez la grosse chaîne ici. Ah oui. C'est cool de trouver ça. Un vieux disque radio, il reste des trucs là. Regardez. C'est cool, hein, je suis content. Il reste le vieux déchet là. Regardez la gueule du plafond. Comme je vous dis, elle a pris feu cette maison. La dernière fois quand je suis venu. Ouais, pour visiter. Regardez qu'est-ce qu'il y a ici. C'est pour ça, ça me fait chier. Je ne vais pas pouvoir vous montrer cet endroit. Je suis content. Il n'y a personne. La dernière fois, il y avait quelqu'un qui dormait là. Vous voyez, il y a quelqu'un qui squatte. Regardez tout ce qui reste sur la table. Après, c'est possible que ce soit des squats qui mangent là, mais vu la gueule des poêles, je dirais ça fait longtemps qu'il est là. Hein. Au zéro au moins. Il reste la poubelle qui traîne là. C'est là que ça va passer. Regardez la vieille chinifie qui est restée dans son jus, les gars. C'est tout. Regardez, il y a même le cadre derrière. D'alcool. La vieille chaise là est magnifique. C'est trop cool. Là il y a la vieille cheminée. Il reste le masque. Regardez le masque. La cheminée. Ah, c'est resté dans son jus quand même. C'est dégueulasse par terre. Là c'est des squatters. Ça c'est les gens qui vivent ici, c'est pour ça. Je reconnais les objets. Bon, ici il y avait des jeunes, je sais que on va pouvoir aller visiter
l'extérieur. J'ai pas pu aller voir. Regardez tout ce qui reste. C'est pas un lustre, c'est un lustre avec un ventilateur là-haut, qui est très joli. Et avant, il y avait un truc anima et ils l'ont enlevé. Je me rappelle qu'il y avait un truc accroché là, je me rappelle, quand je suis venu. La petite commode. On pourra l'ouvrir. Waouh, regardez les amis, tout ce qui reste. Elle est craquée. Elle est pleine à craquer, le placard. Il reste encore du contenu à l'intérieur. Il reste des DVD et tout. Regardez ce qui reste là-haut. Oh la vache. Cette maison, je comprends pas pourquoi elle est squattée. Hein. Je vais remettre pour pas que les gens le sachent. On peut pas l'ouvrir. Là, il reste des trucs à l'intérieur. Il y a même encore un livre. Il reste des... Il reste des trucs dedans. Il reste encore le grippin. Il reste encore des trucs à l'intérieur. Regardez-moi ce bordel. Je vais regarder vite fait l'extérieur. Il y a un jardin. Il y a un véranda. Wow. Ça m'a l'air dangereux. Je suis à gaffe, je vais peut-être pas me rapprocher. Je vais vous montrer vite fait comme ça. Parce qu'il y a encore le globe là. Il reste encore les placards, les poubelles. Voilà. Donc c'était une véranda. L'heure, il s'est arrêté à vers 7h30. Oh, 6h30 je dirais. Voilà. Il reste encore plein de choses. C'est craqué là. J'adore l'endroit parce que là il y a un vélo là qui venait de l'extérieur à la base. C'est des vélos d'extérieur. C'est tout récent ça. Par contre c'est bizarre qu'il soit là. Ou alors peut-être les propriétaires avaient ça avant. Je pense. Voilà, je monte vite fait la véranda. Il y a encore des livres à linge. Il reste des placards. Il reste des trucs, hein, des bordels. Derrière, j'ose pas trop y aller. Puis il y a les voisinages. Voilà. Carrément. Voilà, ouais. Je suis content de l'avoir montré l'extérieur. Alors du coup, il y a des enfants. Comme je me rappelle, il y avait une chambre d'enfants, d'ado. Mais je vois pas où est la chambre d'adulte. Ou alors peut-être c'est d'être là, mais je sais pas. Il y a encore des guirlandes. Il y a encore... Ouais, c'est dingue. Hein. Il reste plein de trucs. C'est incroyable. Le corde à linge et tout. La table qu'elle est dans un état. Regardez. Pizza. Regardez-moi. Je pense que c'est un syndrome de Diogène, hein, je dirais. Vous voyez le bordel qu'il y a. Le propriétaire avait un syndrome, je pense. Et puis l'incendie. J'avais vu qu'il y avait des dates la dernière fois. Une bouteille d'alcool. Encore des verres, regardez. Elle est encore pleine, il y a une manette, regardez, de free. Encore un clavier, il reste des trucs là. Là-bas, c'est la porte d'entrée, je vous ai montré, il y a le lit là. Il reste encore. Il reste encore plein de trucs à l'intérieur. Vous avez vu? Des objets. Oh la vache, tout ce qu'il y a, c'est incroyable. Alors on sait que c'était fermé là, les toilettes. Je vais essayer de vous montrer plus précisément la salle de bain. Ah, il y avait une douche. La douche, elle est là, elle est complètement remplie d'objets. Voilà. Il reste la brosse à dents, les trucs des œufs. Donc ça restait comme c'était. Le lustre là. Voilà. Je vais faire vite fait la chambre. Et après on va s'en aller. Je vais montrer ce qu'il y a ici. Il reste pas mal de trucs. Voilà. Le chapeau. La véranda.
le sac à dos qui est encore toujours là. La petite carte là. Sympa, franchement, le lit. Oh, la chaise. Voilà. Ah, et le bus 613, j'ai pris tout à l'heure. Ok. Il reste encore. Ah, les objets qui restent. Hein. Donc là, c'était une chambre d'enfant, comme vous voyez. C'était un enfant, un ado qui vivait là. Et là, il y a encore le sac à dos et tout. Les posters et tout. 2013, 2007, il y a pas mal de dates. 2005. Oh la vache. Il y a beaucoup de trucs. Hein. Mais c'est dans un bordel. Voilà. Et puis, je vais finir avec la cuisine. Encore le truc corps humain. On va finir avec la cuisine. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Il reste des trucs dans un état brûlé. Regardez. Incroyable. Voilà. Il reste le. Il reste des trucs de la. Il y a encore du linge à l'intérieur. C'est ouf. Les placards. Il y a encore des récipients dans les placards. Je peux pas les ouvrir vu l'état. Voilà. Poste radio. Et puis pour finir ici, je pense que c'était là la chambre des parents. Je pense que c'était ici. Qui a morflé. Cette zone-là a morflé, les gars. Voilà, ici c'est la partie chambre. C'est la seconde chambre qui ressemble plus à rien. Voilà. La cuisine, elle est incroyable. Voilà, je suis content de vous avoir montré ça. Donc je vous refais la vidéo parce que voilà, comme je vous ai dit, je vais la refaire parce que voilà, il y a encore le piano et tout, voilà, sympa piano. On va sortir par là. Allez, on sort d'ici. Regardez. Quand ils ont squat ici, c'est pour ça que j'ai eu de la chance. Bon allez, je vais couper les amis, et je vous dis à toutes. Oui, les amis, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était, j'ai refait la maison, parce que j'ai pas vraiment... Quand vous la verrez qu'elle était assez rapide et j'ai parlé doucement. Et là, j'ai réussi à vous la montrer, en complet, on va dire. Voilà, je vais profiter, il y avait... À ce moment-là, il n'y avait pas de squatteur, donc j'ai eu la chance. Donc là, lui, il était squatté. Mais waouh, elle était dingue, la maison était pleine, elle était pleine à craquer. C'était bon, je pouvais pas. Ce que je sais, c'est que l'endroit, il y avait une chambre de couple qui est dans mauvais état. Il y avait une chambre d'enfant. Et puis il y avait une belle pièce, une belle salle à manger et le petit couloir où le squatteur dort. Voilà, donc du coup, vous avez vu, c'est très squatté. Mais bon, l'important c'est que le droit était préservé, mais il est en train de dégrader de plus en plus la maison, comme vous avez dû voir. Et voilà, c'était waouh, c'était incroyable la maison, mais dégueulasse. Je vous avoue, j'étais pas été équipé là ce jour-là. Là. Je rentre du boulot, et du coup c'est pour ça que voilà, j'étais en mode normal quoi. J'étais en mode civil, on va dire. Bah, c'est pas grave, c'est pas très grave de toute façon. Voilà, donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo urbex vous aura plu. Donc je vous ai refait la maison, la petite maison calcinée, à moitié calcinée, et qui est dans le 93. Hein, je suis retourné dans cette partie-là. Donc c'est très sympa, la maison elle est très très sympa. C'est là où j'étais allé voir l'autre maison que j'ai pas pu accéder. Voilà. Donc voilà, je l'ai refait, c'est normal, vous inquiétez pas, si je l'ai refait, si vous la reverrez la même maison, c'est que normal. Et en plus, j'ai pu vous la montrer en détail. Donc comme ça au moins vous avez pu voir à quoi ressemble la maison. Donc elle a l'air d'être vu les objets modernes, je dirais ça doit être des années 2000, je dirais que la maison existait, et je dirais 2007 au moins,
Je dirais ça fait à peu près cette période-là que la maison elle a l'air d'être abandonnée. Au moins, je dirais 2007. Au moins, j'ai vu dans les calendriers. Bon, alors après, peut-être je suis pas très précis dans ce que j'ai repéré. Mais je voulais pas rester trop longtemps si les squatteurs revenaient. On sait jamais. Mais là, j'ai eu de la chance, il n'y avait personne. Un coup de bol, parce que si j'ai été le week-end, je pense que j'aurais pas pu y aller. Là, c'est un jour de semaine, donc j'en ai profité. Parce que c'est le moment où, quand il n'y a pas squatteurs, jour de semaine, ils sont à l'extérieur. Donc, ils viennent que le soir, en fait. Donc, voilà. Ils viennent que le soir dans ce genre de lieu. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir pour mes prochaines vidéos. Et à bientôt pour les... Voilà, à bientôt les amis. Pour les prochaines. Ciao.